Mon nom est Seada. Je suis tisserande. À l'aide de mon fil, je conte les petites et grandes histoires de mon peuple. Des histoires comme celle de l'enfant qui sauva notre vallée. L'histoire de mon fils Echo. À qui la vie avait tout donné, sauf le sens de la vue. Ses oreilles, cependant, étaient avides des légendes dont je tissais les tapisseries sacrées pour les temples de nos villages. Sa favorite était celle du dieu serpent, qui descendait du ciel pour déposer un œuf sacré au cœur d'un arbre sans âge. L'arbre mère. Hélas, malgré la beauté des légendes, le monde oubliait les dieux. Bientôt, on parla d'un homme venu d'une autre vallée, qui levait une armée pour asservir et voler. Ce n'était pas une légende, mais une réalité brutale qui frappa notre village parmi bien d'autres. Echo restait un enfant. Un jour, il sortit jouer et ne revint jamais. Depuis, je n'ai cessé de le chercher, l'appeler, le pleurer, en vain. Mais il y a toujours un moyen, un espoir, et cela commença avec un simple fil. Quelque part, Echo rêvait. Et les étoiles, qui sont les filles de la nuit, le savaient. D'ici, nous voyons tout, dirent-elles. Tisse le lien qui nous unit, et nous te mènerons à ton fils. Je dessinais le chemin qui devait me mener à Echo, essayant de maîtriser les tremblements de ma main. Je ne l'avais pas vu depuis des semaines. C'était mon visage. Echo rêvait de moi à cet instant. Mon fils, mon amour. Il suffisait d'une étoile. Et ton histoire commencerait. C'était donc là que se trouvait mon fils, dormant paisiblement dans une cage. Ce n'était pas le point de départ que j'attendais, mais il était temps pour lui de s'éveiller. Qui avait bien pu l'enfermer? Echo était encore prisonnier. Un gros rocher bloquait sa course. «
En tant que conteuse de cette histoire, j'avais un petit pouvoir sur ce monde. Le pouvoir d'aider Echo quand je le pouvais. Une pierre qui roule n'amasse pas mousse, mais elle attrape facilement des bosses. Ce n'était là que le début des ennuis d'Echo et du difficile chemin qui allait faire de lui un être nouveau. Cette étoile s'était invitée dans mon récit. Tant mieux. Elle allait sans doute avoir un rôle à y jouer. L'une des premières épreuves d'Echo était un pont. Un pont qui avait abandonné sa tâche depuis bien longtemps.
Au-delà de ce cours d'eau commençaient les terres sacrées. Seuls les pèlerins étaient autorisés à passer. Mais l'étoile s'en souciait peu. Écho trouva un mécanisme dans la bouche de Talak, la tête de pierre. Sur la fresque, un pèlerin plaçait sa main dans la bouche de la sculpture. Une épreuve de confiance. C'est ainsi qu'un siècle après le dernier, un pèlerin à peine sorti de l'œuf était sur le point de fouler le sol sacré. Sentant contre ses jambes l'herbe couchée, Écho comprit que quelque chose s'était arrêté ici avant de repartir. Quelque chose de gros. Écho aimait les vieilles pierres, mais celle-ci avait vu quelque chose de terrible, une chasse. Malgré les bons plats que je lui avais préparés, mon fils n'était pas assez lourd pour enfoncer la dalle. Ce bloc de roche semblait parfait. La porte s'ouvrit sur un son que seul Écho pouvait entendre.
L'étoile attendait, mais cette porte ne s'ouvrirait pas toute seule. Echo était enfin libre. Quelque chose d'important allait avoir lieu. C'était là, tout proche, le souffle qui résonnait dans la vallée. Ce que l'étoile voulait qu'il voie, c'était un Amlak Ebab, un dieu serpent, moissonneur d'étoiles, porteur de vie. Celui des légendes que j'avais si souvent contées à mon fils. Et ce dieu mourait, percé par la lance d'un homme. Apaisé par la présence de l'enfant, le serpent se laissa partir. C'était la première fois qu'Echo assistait à une mort et à une naissance. Car le serpent avait laissé un œuf. Les dieux serpents traversaient l'univers, récoltant dans leurs écailles la mémoire du ciel. De cette mémoire naissait un œuf. Il se rendait alors sur les terres sacrées pour pondre l'œuf nommé Enkolal. C'était le don d'une nouvelle vie, et mon fils le portait dans ses bras. L'œuf d'un dieu, un œuf dieu. Quel fardeau pour un si jeune enfant. Que faire maintenant? Quel chemin choisir? L'œuf avait bien une idée, mais il lui fallait un support pour l'exprimer. L'Enkolal permettait à mon fils de peser enfin un peu plus lourd en ce monde. L'un n'avait que quatre sens, l'autre semblait prête à se briser à tout moment. Mais leur fragilité était désormais partagée. Il était là, comme dans les écrits, comme dans les rêves d'Echo, le temple d'Issa.
la gigantesque demeure du Hamla Kebab, le dieu serpent qui n'y reviendrait plus jamais. Des cloches, c'était une mélodie. Echo avait encore quelques années devant lui avant de pouvoir enfoncer cette dalle seule.
avait réagi. Il était lui aussi sensible à la musique. C'était déjà un bien long chemin pour Echo. Le temple obéit à l'œuf qu'il connaissait bien. Echo se demanda s'il le reverrait jamais. Attends, pensa Echo, tremblant. Qu'y a-t-il là-dedans ? Il y a un héros, dit une voix. Et c'est toi, toi, dont j'ai besoin. N'aie pas peur, se dit Echo. Tu es grand maintenant.